Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est YoYix et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Un tutoriel où durant cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces, donc 3 astuces pour télécharger, pour appliquer et pour pouvoir avoir des bons fonds d'écran à Full HD. Donc écoutez, commençons tout de suite. Vous allez vous rendre sur votre navigateur, pour ma part c'est Google Chrome. Vous allez écrire un thème, donc moi je vais marquer gamer. Donc ces 3 astuces vont être complètement bêtes, si on peut dire ça comme ça, mais vraiment très utiles parce que voilà, ceux qui vont regarder la vidéo, c'est ceux qui ne savent pas comment mettre un fond d'écran en Full HD et ceux qui font ces erreurs finalement. Donc une fois que vous y êtes, vous allez cliquer sur Images, Outils de recherche, Taille, Supérieur à, et moi je vous conseille de mettre 1024 x 768 si vous voulez un minimum. Donc une fois que vous y êtes, ça va vous répertorier toutes les images qui sont supérieures à une certaine taille d'écran. Donc là on peut voir déjà qu'il y a pas mal de beaux fonds d'écran gamer, hein. Donc vous, votre réflexe, c'est de faire directement clic droit. Attendez, je vais zoomer un peu plus. Un peu moins quand même. Vous, votre réflexe, c'est de faire clic droit sur l'image, enregistrer l'image sous et la mettre quelque part. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais la mettre, hop, sur mon bureau. Télécharger. Je remets comme c'était avant. Il me semble que c'était comme ça. Voilà. Et donc vous allez voir l'image. Hop, téléchargement. Comment elle est? Elle est vraiment toute petite. Et là, si je fais clic droit et choisir comme arrière-plan du bureau, voilà ce que ça fait. C'est vraiment dégueu. Faut dire ce qu'il y a, c'est vraiment dégueu. Donc, moi, je vais vous apprendre comment mettre un bon fond d'écran et comment télécharger un bon fond d'écran Full HD. Donc, vous allez cliquer sur l'image que vous voulez. Ensuite, ça va vous afficher comme ceci. Vous allez cliquer sur Image taille réelle. Et là, de suite, l'image va apparaître en beaucoup plus grand. Et c'est là que vous allez pouvoir la télécharger. Clic droit. Hop. Enregistrer l'image sous. Donc, bureau. Enregistrer. Voilà. On va voir l'image. Donc, ce qu'elle va donner. Celle-là, c'est télécharger en faisant directement clic droit sans mettre l'image en taille réelle. Et celle-là, c'est l'image en taille réelle. On ouvre. Voilà. L'image est beaucoup plus grande, vous pouvez voir la différence, petit, grand. Et là, donc, vous voyez le fond d'écran quand on a téléchargé l'image en petite, sans l'avoir mis en taille réelle. Clic droit, choisir comme arrière-plan du bureau, voilà. Vous voyez la différence, elle est vraiment énorme. Je vais le refaire pour que vous voyez mieux. Donc là, vous voyez, il est vraiment en super bonne qualité. Clic droit, choisir comme arrière-plan du bureau, voilà. Là, elle est vraiment en très basse qualité. Et donc une fois que vous avez fait ça, voilà, je vais hop, revenir. Vous pouvez choisir des images en égal. Donc là, pour savoir votre taille exacte, vous faites clic droit, résolution d'écran. Et là, normalement, vous avez votre taille recommandée. Personnellement, pour ce qui est de ma part, c'est 1366 x 768. Vous allez écrire vous allez écrire en votre résolution à vous. Hop, c'est 768. Hop. OK. Et là, ça va vous répertorier que des images en 1366 x 768. et qui sont plutôt belles par ailleurs. Voilà. Surtout pour les gros écrans, je vous conseille de mettre supérieur à 1600 x 1200. Ça vous donne une qualité minimale de 2 mégapixels, excusez-moi. Donc ce qui est vraiment largement suffisable. Hein. Enfin, suffisant plutôt, c'est plus français. Donc voilà, écoutez, je vous refais. Hop, regardez comme il est super beau. Et là, il n'est pas du tout beau. Donc voilà, écoutez, c'était YoYix pour un tutoriel qui, je pense, va plaire à pas mal d'entre vous. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, c'est les meilleures astuces que je peux vous donner pour vraiment avoir un bon fond d'écran Full HD. Ensuite, vous pouvez toujours chercher des sites internet qui vous les fournissent. Mais bon, personnellement, je trouve que ce que Google vous propose en images est largement suffisant. Vous avez vraiment des belles vidéos, des belles images, excusez-moi, en Full HD pour votre fond d'écran. Voilà, écoutez, c'était YoYixLeCann. Je vais postuler pour 2 chaînes communautaires, donc j'espère vraiment qu'elles vont me aider. J'espère aussi que ce tutoriel vous aura été pratique. Voilà, écoutez, moi je vous quitte. Allez, ciao. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley.